Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je viens papoter avec vous, je ne suis pas seule parce que j'ai mon petit chat juste devant moi qui est sur son arbre à chat, qui risque de me sauter dessus d'une minute à l'autre. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps, sur lequel je me pose des questions depuis longtemps. Mais avant tout, je vais vous parler un petit peu, je vais vous répondre un peu à quelques questions qui me sont posées assez souvent. Ce sont mes origines. Les anciennes le savent, mais toutes les nouvelles me posent des questions. De quelle origine je suis? Où est-ce que je suis née? Pourquoi je parle du Maroc et de la Tunisie? Est-ce que je suis moitié-moitié? D'où vient mon mari? De quelle origine est-ce qu'il est? Etc. Donc aujourd'hui, je vais vous répondre. Alors, je suis d'origine marocaine et je suis née au Maroc. Donc, j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 9 ans et ensuite je suis venue en France et j'ai ma maman qui était déjà installée en France. Donc moi j'ai vécu la plupart du temps avec mes grands-parents au Maroc et quand je suis venue en France, j'ai rejoint ma maman qui était remariée avec mon papa de cœur qui m'a élevée, qui m'a vu grandir, qui a pris soin de moi tout au long de mon enfance, hein, aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis en France, voilà, et qui est d'origine tunisienne. Voilà, c'est pour ça qu'avec certaines, quand quelques filles me parlent sur Instagram et me laissent des vocaux, etc., et elles me disent, mais incroyable, pourquoi tu parles aussi bien l'accent tunisien? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vécu avec un Tunisien quasiment toute ma vie. Voilà, c'est pour ça que je parle aussi bien le dialecte tunisien. Sinon, pour ce qui est de mon mari, alors lui, il est pareil que moi, il est d'origine marocaine, né au Maroc et ensuite, alors lui, il est très exactement de Meknès et moi, je suis de Safi. Alors Safi en arabe, Esfi pour ceux qui connaissent. Et lui, il est venu en France à l'âge de 18 ans et ensuite, en fait, il est venu tout simplement pour faire ses études. Et laisse ma caméra tranquille, arrête de l'embêter. Le chat veut manger ma caméra. Il est venu du coup, je vous disais, en France à l'âge de 18 ans pour faire ses études. Donc, il a fait ses études à Bordeaux et ensuite, il est venu ici à Paris pour travailler, etc. Voilà un petit peu son histoire, voilà un petit peu notre histoire. Sinon, aujourd'hui, je viens vous parler d'un site qui vous permet en fait de trouver vos origines, votre famille, des personnes de votre famille en fait que vous ne connaissez pas. C'est le premier site mondial dans la recherche de famille et dans les tests ADN et dans les arbres généalogiques. Donc si vous voulez faire votre arbre généalogique, il est génial ce site. Et en plus, vous avez une offre, puisqu'il faut s'abonner au site, vous avez une offre hyper intéressante. Je vous dis tout ça en fin de vidéo. Et moi, j'ai bien l'intention de faire mon arbre généalogique parce que je vous avoue que je suis venue ici à l'âge de 9 ans. Et du coup, j'ai beaucoup de famille au Maroc. Quand je vais au Maroc, eh ben, on se voit beaucoup. Voilà, je connais toutes les personnes, mais parfois, je me suis en train de me dire, attends, alors, est-ce qu'ils viennent, du coup, je suis plus proche, vous imaginez bien, de la famille de ma maman. Donc, je suis souvent en train de me dire, est-ce qu'ils viennent du côté de mon grand-père maternel ou du côté de ma grand-mère maternelle? Est-ce qu'ils viennent de... Et je suis toujours paumée. Donc là, j'ai l'intention de faire cet arbre généalogique. J'attends juste que d'avoir un petit moment avec maman et du coup de bien tout poser pour savoir qui vient d'où. Et vraiment, c'est hyper intéressant. En fait, ma curiosité par rapport aux tests ADN et par rapport aux arbres généalogiques, c'est tout simplement, vous savez, toutes les émissions, on entend des personnes qui ont retrouvé de la famille qui ne connaissaient pas. Ou par exemple, si c'est des personnes qui ont été adoptées et qui cherchent leur famille, en fait, ça m'a toujours intriguée. Je me suis toujours dit, mais comment on peut faire un test ADN? Comment on peut faire un arbre généalogique avec quelque chose de professionnel, etc. Et vous allez voir avec moi qu'il y a plein, plein de choses encore intéressantes là-dessus. Allez, c'est parti. Je vais tout, tout vous expliquer et je suis sûre que ça va vous intriguer autant que moi, ça l'a été. Autant que ça l'a été pour moi. Ah, c'est plutôt ça. MyHeritage, c'est le premier site mondial sur la recherche de l'histoire de famille dans l'arbre généalogique et les tests ADN également. C'est un site en fait qui te permet d'en savoir beaucoup plus sur ta famille, sur tes ancêtres, sur ton histoire et vraiment trouver plein de documents très intéressants. Je pense que nous sommes tous curieux de savoir qui étaient exactement nos ancêtres ou savoir tout simplement si on a des cousins, cousines qui vivent dans d'autres pays, des cousins éloignés, etc. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et qui sait, peut-être qu'on a un cousin éloigné qui vit à l'autre bout du monde et ça nous permet de faire un super voyage en allant lui rendre visite.
Pour ce qui est de l'arbre généalogique, il est extrêmement facile à réaliser. Il suffit tout simplement de télécharger l'application. Vous allez sur arbre généalogique et ensuite vous rentrez prénom, nom de famille, date de naissance, le vôtre, celui de vos parents, de vos frères et sœurs. Vous pouvez également rentrer celui des grands-parents. Et ensuite, avec votre nom et prénom, eh bien, le site cherche des informations pour vous automatiquement. Donc, il peut chercher des membres de votre famille que vous ne connaissez peut-être pas, ou des ancêtres, comme je vous disais, et ensuite construire, en fait, il peut rajouter ces personnes-là à votre arbre généalogique. Il y a également une fonctionnalité qui s'appelle Smart Match et qui cherche des gens de votre famille en permanence pour vous. Quand l'application trouve une personne de votre famille, vous recevez une notification tout de suite. L'application peut trouver des personnes que vous ne connaissez même pas. Vous pouvez ajouter, comme je vous disais, à votre arbre généalogique. MyHeritage peut aussi trouver pour vous des documents historiques sur des ancêtres. Il y a une très très grande probabilité pour que MyHeritage trouve des documents sur votre famille, des photos, des actes de mariage, des actes de décès, etc. comme je vous disais, car ils ont plus de 5 milliards d'archives dans le monde. Donc il y a de grandes grandes chances pour que vous puissiez trouver des documents sur votre famille. Il y a aussi une fonctionnalité super où en fait il suffit de rajouter une photo, peut-être une vieille photo que vous avez d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un grand-oncle, etc., qui peut-être est très très abîmée. Eh bien il suffit tout simplement de la scanner ou de la prendre en photo. Elle peut être en noir et blanc sans aucun problème. Et en fait, l'application va vous la réparer. Elle va retirer tous les défauts qui se trouvent sur la photo. Donc en fait, vous allez pouvoir récupérer des photos vraiment comme neuves. Nous avons tous une photo forcément à laquelle on tient et qui s'est abîmée. Et pouvoir faire ça, c'est top. Il y a aussi une fonctionnalité qui est géniale pour les photos, c'est de pouvoir animer des photos. Donc si jamais vous avez par exemple un arrière-grand-père que vos enfants n'ont pas connu, eh bien il suffit juste de mettre la photo. Déjà ça vous répare la photo, ça vous enlève tout ce qui est déchirure, plis, etc. Et en plus de ça, ça va vous faire bouger la photo. Donc la photo va s'animer et si vos enfants par exemple n'ont pas connu cet arrière-grand-père, eh bien ils auront l'impression un peu comme si il interagissait avec eux, comme si c'était une vidéo. Une vraie vidéo, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a impressionné. Voilà pour ce qui est de ce site. Alors franchement, c'est très intriguant. Donc j'espère que vous aurez la curiosité d'aller voir. Surtout que vous avez 14 jours d'essai gratuit. Complètement gratuit. Donc à aller voir. Et sinon, après, si vous voulez continuer après ces 14 jours-là, vous avez 50% sur votre abonnement en passant par mon lien. Donc pourquoi pas, et je me dis, si vous avez par exemple vos parents qui ont des photos de famille très anciennes, très abîmées, etc., ça peut être un super cadeau que de réparer ces photos-là et de leur offrir ces photos. Je pense que ça peut être très très sympa et ça peut être hyper émouvant. Donc n'hésitez pas et partagez avec votre famille, pourquoi pas, ce petit truc assez sympathique. Donc dites-moi si vous avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, j'attends vraiment vos retours. Est-ce que vous aurez essayé l'application? Encore une fois, c'est 14 jours gratuits. Donc pourquoi ne pas tenter le coup? Et après les 14 jours, si vous continuez, c'est payant et vous avez le droit à moins 50% avec mon lien. Et sinon, vous vous arrêtez aux 14 jours. Donc si jamais vous trouvez des documents et tout sur votre famille, franchement je serais hyper curieuse de savoir. Donc sur ce, moi, j'ai plein de choses à faire et je vais aller à mes petites occupations. Coucou, bien quelques temps après, je peux même pas vous dire le lendemain, c'est même pas vrai en plus. Ça fait déjà quelques jours que je vous ai filmé la première séquence et en fait je devais continuer, sauf que j'ai eu une petite urgence, il a fallu que je sorte, rien de grave. Et après, en fait, je ne vous avais pas posté de vidéo ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, il n'y avait pas eu de vidéo. Et du coup, entre-temps, j'ai oublié cette partie-là et je suis repartie sur une nouvelle journée, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, je ne leur avais pas parlé de ça, du coup, de MyHeritage. Donc, c'est pour ça que je suis revenue sur cette vidéo-là. Sinon, aujourd'hui, je vous prends juste après avoir déposé les enfants à l'école. Tout juste. Là, j'ai un petit peu de rangement à faire. Franchement, rien de folichon, j'ai pas grand chose à faire, mais surtout juste les salles d'eau. J'ai rangé toutes les pièces à vivre, mais là, ouais, il m'a ramené son panier avec ses jouets, le petit déj des enfants qui traînent, etc. Et j'aimerais bien aller prendre le mien aussi. Ça peut être pas mal aussi. Ça pourrait être vraiment ça y est,
J'ai pris le temps de manger un petit peu. Ça fait du bien. J'ai pas pris grand-chose. J'ai pris juste un morceau de gâteau au chocolat avec un petit verre de lait. Voilà, c'est un gâteau au chocolat fait maison, donc ça va. C'est pas très très light, mais ça va quand même. Sinon, je voulais vous montrer des petites choses que maman m'a ramenées de la Tunisie. Elle m'a ramené des petites choses de vaisselle, donc de petits cartons. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et elle les a achetées très exactement. Alors, mes parents, quoi, s'ils vont en Tunisie, c'est à Djerba. Comme je vous disais, hein, mon papa de cœur est de Djerba. Et du coup, elle m'a dit qu'elle avait pris ça sur la frontière libyenne parce qu'il y avait un grand marché là-bas avec plein de magasins qui vendent plein de choses de vaisselle, etc. Donc voilà, c'est là qu'elle l'a pris. Si jamais vous êtes de Djerba, si jamais vous allez à la frontière de la Libye régulièrement, pas sachez qu'il y a tout ça là-bas. Donc je vous montre tout de suite et franchement, c'est très sympa. Il y en a un que j'ai ouvert. Le deuxième, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est super mignon, je vous montre. Voici pour le premier que maman m'a pris. Franchement, super mignon. Donc, on a le support avec les petits pots qui vont à l'intérieur. Et le support, il est un peu en gold. Voilà, c'est un peu couleur gold. Et franchement, super mignon. Donc là, c'est, j'allais dire des écritures. Non, c'est juste des lettres. Voilà, c'est un peu des lettres, mais dans tous les sens, des lettres en arabe. Voilà, et ça leur donne ce petit côté oriental. Je trouve ça super mignon. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Celui-ci, elle me l'avait montré en photo avant. Elle m'a demandé si j'avais. Et j'ai craqué dessus tout de suite. Vraiment, tout de suite, je pense mettre ça juste devant ma cuisinière. Vu que moi, j'ai pas beaucoup de choses qui restent sur le plan de travail et tout, je me dis, ça fera peut-être un peu plus chaleureux. Donc, il y a le petit couvercle en bois. Je pense mettre peut-être des épices à l'intérieur. Je vais voir. Et la petite cuillère du coup pour prendre les épices. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve ça super mignonné. Les pots sont quand même assez grands. Peut-être que. Si, je pense qu'on se rend compte en caméra. C'est pas quelque chose de petit. Voilà, ça prend à peu près 2 fois la contenance d'un verre de thé. D'un verre de thé à la menthe. Voilà. C'est ma référence. Donc c'est quand même. Ça a quand même une certaine contenance. C'est quand même assez grand. Et donc voilà pour le premier. Franchement, super mimi. Donc ça, c'était le premier carton. Et là, on va ouvrir le deuxième carton ensemble que j'ai déjà ouvert chez ma maman, mais que je n'ai pas réouvert à la maison. C'est un peu dans le même style, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Donc, hop. J'aurais besoin peut-être des deux mains pour le prendre. J'ai trop peur de casser quelque chose. Ouais, je vais utiliser. Ouais, je vais utiliser les deux mains. C'est bien moins dangereux. Voici du coup pour le deuxième. Je pensais que c'était plus ou moins pareil, mais en fait, c'est pas du tout. Non, non, c'est pas. Même la couleur, c'est pas exactement la même. La couleur du métal, elle n'est pas tout à fait la même. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une légère différence. Mais franchement, celui-ci aussi est magnifique. Alors là, c'est plus. Les pots sont exactement de la même taille, par contre, et les pots sont plus marbrés comme ça. C'est très très beau. C'est hyper beau, je trouve ça magnifique. Avec leur petite cuillère, exactement fait de la même façon que les premiers. Et là, on a des petits tiroirs avec leur cuillère aussi. D'ailleurs, je ne sais pas trop quoi mettre dans celui-ci. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Franchement, si vous avez des idées ou vous avez des photos à m'envoyer sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer la petite photo si vous en avez déjà vu qui ont utilisé ça, etc. Je serais vraiment preneuse. Parce que c'est très très beau. Très très beau, mais je sais pas du tout comment l'utiliser celui-ci. Je sais pas. Je me dis peut-être pour le ramadan, pour mettre par exemple chez Bakia, l'eau, je sais pas, peut-être les dates. Et là, je sais pas. Je sais pas. Je me tâte encore. Je me tâte encore à ce que je vais faire avec, mais en tout cas, il est magnifique. Et comme je vous disais, maman m'a appelé au début et en fait, j'avais choisi celui-ci. Et après, je regarde la photo et je vois celui-ci en tout petit en bas de la photo. Parce qu'en fait, elle ne l'avait pas pris en photo, elle avait plus pris celui-là. Et je lui dis, mais tu sais, celui qui est en bas tout petit, on le voit en tout petit, il est très beau. Et elle est retournée, elle était même plus dans la boutique, je crois. Et après, elle est retournée, il me semble, dans la boutique pour me le prendre. Mais il est trop, trop beau. Franchement, magnifique. Magnifique. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait mettre à l'intérieur? Celui-ci, je pense sincèrement que c'est des épices. Mais celui-là, je suis un peu plus intriguée. Ah, vraiment un peu plus intriguée. Après, il peut aussi servir pour les épices. Je me dis là, les épices. Et là, ça peut être les feuilles d'oreiller. Je ne sais pas. Des petites choses comme ça. Du thym séché. Ou... Après, est-ce qu'à l'air libre comme ça, c'est bon? Je ne sais pas.
Ouh là 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 là, ça fuse dans ma tête, donc je sais pas trop quoi mettre dedans. J'ai tout bien rangé en place et là je suis dans la chambre de ma petite Yaya. J'ai du collage à faire. Ça y est que j'ai fait en fait. J'ai du collage que j'ai fait. Aya hier a voulu qu'on lui imprime une licorne. Elle voulait absolument colorier une licorne, donc on lui a imprimé ça. Elle l'a colorié et en fait elle a découpé donc la licorne. Mais vous savez, quand vous coloriez quelque chose, surtout si c'est découpé et qu'il y a des petits coins, ça a tendance à se recourber. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé la licorne sur des feuilles de chez Action comme ça, très très épais, et j'ai recoupé. Voilà, comme ça, bah, ça reste bien dur, ça fait comme du carton en fait, comme si elle était coloriée sur du carton, ça bouge pas. Et quand elle a vu ça ce matin, elle m'a dit, Maman, c'est trop beau, je veux pas. En fait, à la base, elle voulait le donner à sa maîtresse, mais elle a tellement aimé en fait son coloriage que ce matin, elle m'a dit, Maman, je voudrais que tu me le colles dans ma chambre. Donc du coup, bah, là, je vais coller ça dans sa chambre et il va falloir aussi que je range sa chambre parce que c'est dans un état, mais dans un état, son bureau, enfin. Aïe, elle est tout le temps sur son bureau, donc c'est toujours comme ça. Voilà. Il ressemble toujours à ça, son bureau. Donc là, il faut vraiment, vraiment que je range tout ça et que je colle cette licorne. Voilà, du coup, le coloriage de cette demoiselle. Du coup, je l'ai mis juste au-dessus de sa tête. Je n'ai pas encore rangé la chambre. Je l'ai mis juste au-dessus de sa tête et je lui ai collé ça là. Donc, c'est elle-même qui a découpé et colorié. Bon, c'est pas le dessin, c'est pas elle, hein, on l'a imprimé, donc là elle a juste découpé et colorié. Et du coup, bah, moi, comme je vous disais, alors j'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai collé son papier sur un papier plus cartonné. C'est pour ça que c'est rose là. Et là, je l'ai collé juste en retournant un peu de scotch parce que j'avais rien d'autre pour le coller. Donc voilà, elle a sa petite licorne et maintenant je n'ai plus qu'à ranger la chambre. Voilà, mais j'aime trop trop les coloriages d'Aya. Surtout que, en fait, elle aime bien, elle aime pas faire tout uni. Elle aime bien mettre plusieurs couleurs à chaque fois sur les choses comme ça. J'aime trop sa façon de colorier. J'adore regarder le bail d'une couleur, le haut. Bon. Je m'extasie devant un coloriage de ma fille, mais oui, j'aime beaucoup ça. La chambre d'Aya, la chambre de Wail, la salle de bain et les toilettes sont terminées. Tout est propre. Et là, je suis venue m'asseoir pour en fait poser un petit peu mon dos avant de continuer avec la pièce à vivre et la chambre parentale. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Franchement, la pièce à vivre, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Mais bon, il faut quand même que je me pose un petit peu parce que d'ailleurs, je viens de prendre un médicament et je viens de prendre aussi le médicament pour protéger l'estomac parce que je commence à avoir mais des brûlures incroyables, mais vrai, tellement je prends des médicaments, là, je commence à avoir de grosses brûlures. Et comme je vous disais aussi, j'ai un rendez-vous avec un rhumatologue, donc c'est un nouveau que je ne connais pas. Et j'ai trouvé un rendez-vous quand même assez rapide, donc demain j'ai rendez-vous. Et on va voir comment ça va se passer. Voilà. J'aimerais refaire en fait des tests et avoir son avis, avoir un nouvel avis, parce que l'ancien m'avait dit c'est où les injections, ce qui n'ont absolument, qui n'ont les infiltrations, pardon. Qui n'ont absolument pas fonctionné d'ailleurs sur moi, hein, pour toutes celles qui se posent la question, j'en ai fait deux, mais qui n'ont rien donné sur moi. Je crois que ça a marché pendant une semaine, quelque chose comme ça, et puis après c'était fini, donc je veux plus en faire. Ça marche pas, ça sert à rien en fait. Et donc après, il m'a dit c'est où ça ou l'opération. Donc moi, l'opération, j'ai trop trop peur. Franchement, à chaque fois, je me dis ça y est, je vais passer, je vais la faire, mais j'ai hyper peur pour l'opération. Donc là, je vais voir un nouveau spécialiste et je vais voir ce qu'il va me dire. Voilà tout. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Selon cette vidéo, elle sera à rallonge. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. D'énormes, énormes gros bisous. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.